C'est le Wario, le Wario du côté de Piver. Et on reste sur le même line-up côté Soma Blue Tiger. Nous avons des persos tous un peu explosifs. Hein. Ça va être, je pense que ça va être des games assez rapides. Et nous sommes sur PS2 aussi, là, il me semble. GameTech va pouvoir faire des TikTok, c'est cool. Alors, non, et c'est nous, bonjour. Et ça commence. Alors. Je pense que c'est assez compliqué de 0 to death. Ce sera pas des 0 to death, il y aura sans doute des confirmes OFB, mais ça ne sera pas. Et on sait jouer avec le Gyro côté du game. Hein. Ça part plutôt bien. Hein. Rehan qui s'est fait juggle et qui n'arrive pas à sortir du juggle, mais en même temps, si tu ne donnes B pas avec Luigi, tu ne sortiras pas du juggle. On parlait de la synergie de. Ils ont une bonne synergie, on sait qu'ils ont déjà pas mal joué en double ensemble. Pas dans des tournois, il revient. Pas dans des tournois, mais pas mal en free play. Bah, preuve en est, ils sont quand même déjà en top 8, c'est super, mais je pense pas quoi. Alors, on va edgeguard du côté de Rehan. On perd ce premier stock côté Soma, mais on va sans doute prendre celle de Piver, effectivement. Up tilt, up air, il ne pouvait pas faire grand chose. Il est sur sa première strike, seulement 72%, il s'en sort plutôt bien. Après, on sait que Luigi Falcon, c'est un MU impossible pour Falcon, selon les joueurs de Falcon. Donc je pense que Rehan connaît ses combos. Parce qu'il les a travaillés, tout simplement. Oh là là, mais c'est... Tu as vu ce qu'il a mis à Talion ? C'est un autre Wario, c'est tapis vert, Talion n'est plus là. Mais c'est une très belle edgeguard qui est placée par Blue Diamond qui est toujours à 3 stocks. Mais oh là là, mais c'est du jamais vu l'upset de fou. On arrive à prendre la stock côté Piver avec une down throw into la moto, c'est bien vu. Et bon qui survit effectivement Blue Diamond. Il perd l'écran. Ah non, il a perdu l'écran au moment où il a perdu sa vie. Par contre, côté Soma, on est sur sa dernière stock. On est sur sa dernière stock du côté de la team de Rehan aussi. Le 0 to death qui va être tenté, ça va sans doute être réussi. Et non, il aura le temps de shield. La bonne SDI peut-être. Peut-être juste le combo n'était pas trop. Ah, mais non, on ne peut pas bourrer le shield d'un Luigi. Bah oui. Ils ont bourré deux fois de suite. Aïe, c'était si bien parti. Ah, bah oui, mais le AB Luigi. Ça prend des stocks à 50 ans. Est-ce que le Blue Diamond peut le faire? Ça risque d'être compliqué, hein. Surtout qu'on n'a pas utilisé son WAF côté Piver. Ah, et on l'utilisera. Oh non, la malveillance! Oh la malveillance, c'est très bien vu! Il a fait la gloutonie. Tu fais le waft, ça envoie vers le haut. Ça, tu passes, c'est pas grave, t'as un up B qui s'en frame 3 ou 4. Et qui tue, bon, pas à des pourcentages exceptionnels, mais à cette hauteur-là du stage, c'est fatal. Hein. Ça peut tuer en reverse edgeguard ou de cette manière. De cette manière, ça arrive pas très souvent. Mais après, la plupart des joueurs de Wario, quand ils tentent un boss comme ça, ils tentent souvent le B, mais ça passe très rarement. C'est peut-être le gage finalement d'excellent Wario. Et on n'a pas réussi à gagner la game côté Soma Blue, alors qu'on avait. Je continue quand même de penser que ça reste très très even. Pour la game en miniature, mais Il faudrait nous agrandir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un à la régie. Que nous n'avons pas la game sur grand écran. Et merci bien. Oh, et le Misfire. On arrive Misfire up B, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais on rappelle, il y a eu deux up B de suite pour punir Blue Diamond. Que la team en face bourrait pas mal. On rappelle que Rehan a une chance sur ses Misfire qui est assez impressionnante. On arrive à trouver le combo du côté de Soma, c'est bien vu, le combo finisher avec le CB, on a pris la stock, on se fait 0 to death côté Hugo, côté Blue Diamond, on finira par. Ça s'appelle cette chose, c'est que j'ai récemment. Quoi? Parce que tu sais, il était sur le côté de la plateforme, il a tech, mais il a été envoyé très vite vers Je ne sais pas le nom, ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais du coup, il a fait inconsciemment. Mais on fait des 0 tout def côté Soma Safi. Ça se fera finir par Rehan qui a annulé le 0 tout def, mais on maîtrise plutôt bien ses combos. On en a mis un à Rehan. On a 3 vies. Ouais. Oh! 3 vies et il prendra le. Waouh, mais les stocks sont partis à une vitesse dans ce match.
On est déjà à la dernière stock côté Talion et une dernière stock côté Blue Diamond aussi. Est-ce qu'on... Non, on n'aura pas le temps de punir le B. Et rien ne le savait à mon avis. Et il va tenter d'Edgar. Il catche tout, le dernier ne spikera pas mais le deuxième. Non, il l'a raté. Il l'a raté mais encore pour combien de temps? On tente le side B maléfique mais non. Le donner en reverse. Bon, ça va, ça reste quand même assez even. Quel bordel. Ça reste even, mais c'est vraiment deux personnes qui ont deux stocks qui s'en sortent plutôt bien. Et deux personnes qui, sur leur dernière vie à très haut pourcent, prendra la stock de Ranax Seven. Non, ça n'a pas tué la bonne DI. Mais le deuxième side B qui tuera. Et on prend la dernière stock de Pivert. Nous sommes donc en situation de 2v1 contre Ehan. Non, mais. Soma qui a failli tuer Blue et nous avons beaucoup de problèmes d'écran. Ah, et le partage de vie. Le grab, peut-être le combo. On aura une backstrow faire. C'est pas grand chose, mais c'est déjà pas mal. La gyro pour left trap. Terrian, on shield beaucoup, mais les persos n'ont pas des mauvais grabs. Ce qui pourrait le sauver, je pense, ça serait d'obtenir un up B. Obtenir un up B out of shield et réussir à survivre. Mais s'il en up B1, il a peut-être... Oh, le laser là, 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 là. Le laser de fou qui est trouvé côté Soma, c'est du beau sniping, ça. Aïe, aïe, aïe. Ce sont des games de fou qu'on a la chance de... Ce sont des games de fou et on rappelle que c'est deux joueurs de notre team, donc nous sommes pour eux. Et on savait pas qu'ils étaient aussi forts. Ah, en 2v2, je découvre deux nouveaux hommes. On l'ignorait, effectivement. On a peut-être compris quelque chose du côté de Soma parce que lui qui avait perdu ses stocks très rapidement. Ah, mais côté Soma, on a trouvé un nombre de side B, l'un sur un combo, l'un sur un reverse edge guard. On a pris énormément de stocks assez tôt et on s'est mis très bien. Finalement, je viens de me rendre compte que je vais peut-être pas doubler leur cash price s'ils passent en. Ils vont faire top 1 et le cash price est de 200€, donc tu vas devoir. J'ai bien fait de pas leur en parler. Bon, bref, continuons. Alors. VOD qui va être exceptionnel. Et donc côté Pivert, on arrive à combo Soma. Côté Rehan, on combo Blue Diamond. On s'est un peu mis en 2-1v1 de chaque côté de la map. On arrive à ledge trap très bien du côté de Rehan. C'est compliqué pour Blue Diamond qui arrive à sortir du ledge trap avec un double saut. Et on inverse les rôles, on inverse le 1v1. Si je maintiens quand même que c'est vraiment la team de Soma Blue Diamond pour une fois en fait, il y a vraiment une synergie excellente. Ils ont une très bonne synergie, ils ont fait des passes pas exceptionnelles mais des passes réussies tout à l'heure. Des passes réussies, sauf beaucoup l'un et l'autre. Et lui, je l'ai trouvé. On va peut-être edgeguard l'ami Pivert avec Soma. Non, il n'aura pas le temps, le ledge trap peut-être. Il tente un max de smash, ce sera puni par la dash attack de Wario. Soma met un nombre de paris, c'est impressionnant. Il avec il est très fort en réaction. Il est très fort en réaction. Le up smash qui est trouvé, je ne sais pas qui a tué, ça a tué Rehan. Et on garde sa première stock du côté de Pivert, mais pour encore combien de temps? Ah, on va tenter ledge guard. Après, je garde Wario, on sait que c'est pas facile. Oh, la fin de l'hitbox du donner qui a tué. Je ne pensais pas que ça allait tuer. Waouh, je ne sais plus Wario. Il suffisait juste de le dire. Oh là là. Rien en fume malveillance. Par contre, côté Blue Diamond, on n'est pas forcément très bien. On est déjà à sa deuxième stop et on est à 104%. Oh, le reverse qui est trouvé côté Rehan. Mais je pense pas il a trade, il a dumpé. Je pense pas que ces 2-1-V1 soient différents profitables pour Blue Diamond. Ah bah, côté Blue Diamond, on n'a pas envie d'un V1 Rehan. Pour des raisons évidentes de match-up et aussi de niveau. Niveau finalement, évidemment, quelqu'un d'exceptionnel, mais Rehan est très très fort. Rehan qui est un excellent joueur, l'un des meilleurs Luigi de France, d'Europe et du monde. Et aussi l'un des meilleurs coachs de Luigi qu'on ait vu. Il a coaché Karash et Karash a fait un résultat de malade au port priority. C'est vrai. Je sais pas s'il l'a coaché dernièrement, mais il l'avait. Je sais qu'il se... Oh là là, et le Donnerny qui est trouvé pour prendre la stock de Pivert. Ça, c'est du Donnerny comme on les aime. Hein. On dit que Falcon c'est pas hype, mais ça fait toujours plaisir. Oh, un Donnerny. Oh, le cheese peut-être. Il a pas de moto. Il a pas de moto. Ah, le waft qui waft. Va être. Bon, au moins, on a fait cramer son waft. Hein. Ouais. La dash attack qui a touché absolument tout le monde. J'ai eu très peur qu'ils essayent. Non, j'avais pas vu qu'ils avaient tous les deux pris le skin vert pour faire la synergie. Et on prend la vie côté Blue Diamond. Ou alors reverse edge guard peut-être. Faut pas qu'il perde sa stock là, Soma. Hein. Ah, on se prend la moto malheureusement.
Voilà. Il sait jouer avec la moto côté Rennes. Oh, c'est bien vu ça. Belle dash attaque. Est-ce qu'on va réussir à Edgar? Oh, oh oui, le donner qui est trouvé. Ça, c'est un beau donner. Mais il n'empêche que Soma est à 145%. On est toujours à 145%, mais on arrive à survivre et à gratter. Et c'est ça qu'il faut faire. Est-ce qu'on s'en sort du côté de Blue? On a réussi à récupérer la Gyro, mais on a perdu son mate. Oh, le Misfire. Mais d'où? Non, mais toujours. Mais c'est fou la luck qu'il a. Il a payé, il a payé. Il a le jeu en deluxe, c'est un délire. Le nombre de doubles Misfire que Rian a fait dans sa vie, qu'on me l'amène sur un plateau d'argent. Par pitié. Oh non, non, ça tuera. Aïe, 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 aïe. Mais c'est fou le nombre de doubles Misfire qu'il a fait dans sa vie. Ça fait combien? C'est une chance sur 9, Misfire. C'est une chance sur 9, oui, je crois que t'as raison, mais... quand en fait de suite ça n'arrive pas souvent. Ah, non, et le problème c'est qu'on a un nombre de games streamés de Rian où il fait 2 Misfire de suite et on a des preuves qu'il triche quoi. Il est super fort mais c'est un tricheur. Oh là là, le thread Twitter qui va partir du côté de mais Club. Je vais regarder toutes les VOD de Rian. Mais c'est pour ça que tu l'as interviewé en fait. Mais c'est pour le faire tomber. Non mais moi j'étais présent lors d'une game tech. Je ne sais plus si c'était, si c'était bien la grande finale et Rian avait réussi à double Misfire en last stock pour reverse la game. Et on a inversé les 1v1 et je pense que c'est une bonne chose. Je pense que ça sera plus équilibré au niveau des... Je pense que ça sera plus équilibré et je pense que... En plus, Blue Diamond a affronté pas mal de Wario dernièrement donc je pense qu'il commence à connaître. Hein. On a tenté la moto qui protégera. On a des beaux trucs de team. Non. On n'a pas réussi à donner un nez, ce n'était plus les bons pourcents. Le nerf en river sur le Wario, ça ne tuera pas à l'écran, on ne voit plus rien, on ça revient. Hop, le up smash qui est trouvé en rite de roll. Et le back air côté Rian pour tuer. Oh, le back throw a tué. 155. Ah, j'avais pas vu les pourcents. Et on va tenter 0 to death, mais Blue Diamond qui arrêtera le 0 to death du vilain Luigi. Malheureusement, on se prendra. Ouah, il y a des nombres de dash attacks qui sont trouvés côté Rian. J'ai un peu l'impression qu'ils en ont plus rien à foutre, ils tapent pas assez leur pote. Hein. Ah oui, là ça tape de tous les côtés. Est-ce qu'on va tenter? Non, on n'avait pas encore le WAF, nous sommes qu'à 5 minutes 38. Même pas de mid WAF. C'est combien de secondes pour le mid-wave? C'est 1 minute 30, je crois. La dash attaque qui ne va pas tuer, on va essayer de reverse Rian. C'est de la belle tech, on va essayer de le tuer. Non, on ne pourra pas. J'ai fait me protéger par son mate. Le down smash qui est trouvé. Non. Ah, je n'ai pas vu, mais je n'ai pas vu comment il est mort. Je crois que c'est mais il a perdu sa stock assez tôt. Là. Un gyro malon. Et là, ça semble compliqué parce que Rian est toujours à 3 stocks. Que le rêve existe, je ne sais après, pas. Le donner est trouvé. Est-ce qu'on va peut-être essayer de focus Pivert du côté de sniping qui est trouvé? On prend la première stock de Rian. Nous ne sommes pas even, mais. Mais il y a des choses à faire. Si on focus Pivert, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Si on arrête de se taper, Thomas Blue Diamond. Oh, les petites passes. On n'arrivera pas à faire plus. Non, on va trouver le multi-job pour repousser Rian. On a failli se prendre de out of field. Hein. On va tenter le save et le save qui est trouvé côté Soma. Et est-ce qu'on va réussir à snipe le donner? Et c'est trouvé et on a plus de stock. Je pense qu'il va laisser les deux stocks à Rian. Non, il va la prendre. Il va la prendre. C'est assez risqué. Qui a tué qui? Non, il a tué son mate. Aïe aïe aïe, il a throw la game. Il a complètement throw notre ami Blue, notre ami Hugo et le donner qui est trouvé. Zéro buzz. C'est bien dommage, mais du coup on les retrouvera quand même en loser. On les retrouvera en loser. C'est vraiment dommage parce que le nid a un peu ruiné leur espoir. Hein. Mais ils sont contents et ils sont bien amusés. La fin de la game était un peu à l'image de tout le reste finalement. Ah bah. On est MMA en cage. C'est vrai que la